Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur la fiche d'élevage du phasme vert d'Auvergne. Donc il est là. Donc voilà. À la naissance, il peut mesurer environ 1,5 cm. Il vit aussi environ 1 an comme la plupart de tous les phasmes. Moi dans mon élevage, j'ai testé de les nourrir. Sur ronces, framboisier, mûrier, cerisier, donc là c'est ce que je suis en train de leur donner, et même du mûrier, et ils mangent de tout ça. Après, un peu de ficus en étant petit, donc je vais pas tester encore sur l'adulte, donc le spécimen là. Sa taille adulte est d'environ 15 cm, donc c'est un phasme de taille moyenne quand même, parce qu'il y a plus gros mais il y a plus petit. Pour le terrarium, il faut un minimum 30-30-45. Donc moi c'est du 40-40-60. Voilà. Sinon, si vous avez plus grand, ben le mieux c'est de mettre plus grand. Donc moi je favorisais la hauteur, parce que la largeur, ça un peu à rien, c'est mieux la hauteur pour ce phasme-là, étant donné qu'il est vraiment très grand. Et il faut un terrarium 2 à 3 fois plus grand que sa taille, parce que quand il mue, comme ça, s'il se met par exemple à la moitié, il faut compter 2 fois sa taille, en comptant la taille de sa mue, plus sa nouvelle taille qu'il va faire. Donc c'est pour ça qu'il faut un plus grand terrarium. Donc après, il y a plusieurs stades. Donc il y a 8 stades, si je ne me trompe pas. Donc là c'est un L3, L4. Après j'en ai des plus petits, donc comme ici. Donc un L1. Là ici, un L2. Voilà, la vidéo se termine. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Bon allez, ciao, à plus.